Als nächstes spricht Herr Kollege Lujarik für eineinhalb Minuten. Daesh et ceux qui s'y rattachent sont la figure du rejet violent et criminel de toutes les valeurs humaines, de toutes les pensées, de la pensée elle-même, camouflée derrière le paravent d'une religion qu'ils salissent, torturant, massacrant, tuant, décapitant, tout ce qui ne leur ressemble pas, les démocrates, les jeunes, les créateurs, les musiciens, les Kurdes, les minorités religieuses vivant sous son talon de fer et de sang. Chrétiens, yézidis, alaouites, coptes de Libye, n'oublions pas d'ailleurs que les principales victimes de ces mercenaires fascistes sont les musulmans. Il faut donc combattre sans merci ces monstres. Cela ne doit pas nous exonérer d'une réflexion sur les sources qui ont permis de fabriquer ce terrorisme-fascisme. Une certaine morgue occidentale, la culture de la loi du plus fort, l'odeur du pétrole et de l'argent que Daesh aime par-dessus tout, et les guerres. Les institutions doivent agir sans faiblir pour protéger les minorités religieuses, faire reculer le nihilisme criminel de Daesh et aider réellement les peuples à sortir de leurs difficultés, de la misère, en recherchant un nouveau cadre de partenariat euro-méditerranéen pour un co-développement humain. Je vous remercie. Danke, Herr Kollege Lujarik. Es spricht nun für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Valero. Tack, Herr Talman. Angreppen mot religiösa minoriteter i världen har ökat markant den senaste tiden. Mot kristna, mot shiiter, mot yazidier och mot andra religiösa grupper. Och Daesh attackerar blint alla som